ensemble. La réalité, c'est que l'enquête le démontre. Il y avait eu une bagarre allée, en quelque sorte. En tout cas, je donne les faits que l'enquête nous précise aujourd'hui. C'est qu'il y a eu un lynchage qui a eu lieu le 10 janvier, soit 5 jours plus tôt. Je suis désolé de non, vous dire. Non, pour vous, non. Non, attendez. Les mots ont un sens. Il n'y a pas eu de lynchage le 10 janvier. Il y a eu quoi, une bagarre ? Il y a eu une bagarre le 10 janvier. Bagarre auquel Youri n'a pas directement participé. Ça veut dire quoi, pas directement ? Ça veut dire qu'il y était, mais qu'il n'a pas tapé ? Il y est, mais il n'a pas tapé. Ensuite, mais il y était. Il y était. Ensuite, il filmait ? Il filmait rien du tout. Il faisait rien, il avait les mains dans les poches. Il était là. Il était là, et je rappelle que cette agression, non pas ce lynchage, cette agression à ce jour n'a toujours pas donné, à ma connaissance, l'ouverture d'une information judiciaire. Il ne s'est pas interposé, il n'a pas protégé le jeune. Mais attendez, vous n'y étiez pas, je n'y étais pas, je dis simplement... Mais visiblement, vous en savez un peu quand non, même. Non, mais puisque vous savez qu'il ce n'est pas la tentative d'assassinat dont il a été victime, avec des gens qui s'acharnent sur quelqu'un qui est à terre. Tout le monde a vu ces images. Elles étaient insoutenables. Voilà, et il y a eu avant une bagarre le 10 janvier... Cette bagarre n'a jamais eu ce degré de violence, d'intensité et de participation de lynchage. Donc on ne peut pas dire que c'est l'équivalent, que la riposte a été proportionnelle, si j'ose dire, à l'agression. Ce n'est donc pas pour vous une vengeance ou une bagarre retour ? C'est certainement une vengeance, bien sûr. C'est certainement une bagarre retour, mais ça n'est pas la même intensité dans les deux cas et ce ne sont pas les mêmes faits dans les deux cas. Maître, est-ce qu'il connaissait... La personne qui a pu être agressée le 10 janvier, à ma connaissance, n'a pas fait un mois d'hôpital, n'a pas failli mourir et n'a pas eu des séquelles. Donc ça n'est pas de la même ampleur. Ça n'est pas de la même ampleur et de la même nature. Mais vous le savez bien, ça va toujours crescendo. Non, et puis ça n'est pas dans un cas, c'est certainement dans un cas, une bagarre qui est née comme cela. Ce n'est pas une agression préméditée, organisée, comme dans le cas de Youri. Mais maître, on ne peut pas dire du coup que Youri était tout à fait innocent. Non, excusez-moi. Refaites-le, parce que celle-là, je la ferai passer en boucle. C'est une question avec évidemment un point d'interrogation. Je vois bien que vous... Votre point d'interrogation ne s'entendait pas. C'est l'avantage de l'écrit. Maître, vous nous le dites, c'est quand même... Il y a des bagarres entre des Youri, gens... Vous ne voulez pas utiliser le mot de bande, mais enfin, entre des gens qui traînent ensemble. Youri était présent le 10 Youri janvier. Youri n'a pas de casier judiciaire. Youri n'a jamais été interpellé par la police. Youri ne s'est jamais livré à des activités délictueuses. C'est un bon élève, c'est un élève apprécié. Et donc, simplement, il a évidemment des amis. Vous avez parlé de vengeance. Pourquoi est-ce qu'il se venge sur Youri ? Pourquoi Youri ? Parce que c'est celui qu'ils ont pu attraper. Ils n'ont pas ciblé spécifiquement Youri. Ils ont repéré 3-4 garçons qui étaient, selon eux, de la bande de Beaugrenelle, qui a trouvé un nom dont j'ai oublié, d'ailleurs, parce qu'il n'a aucun intérêt, mais enfin, qui a aussi un nom, c'est pas les Vengeurs de Grenelle, c'est HD ou je sais pas quoi, ça n'a aucun intérêt. Mais ils ont trouvé ces 3-4, et très courageusement, comme il a glissé et qu'il est tombé à terre, ils se sont acharnés. Ils n'ont pas ciblé Youri comme le chef d'une bande rivale. Maître, pourquoi avait-il un tournevis dans la poche ? Il s'en expliquera le jour où il sera entendu, c'est un petit tournevis. Voilà. J'ai pas fait mes poches ce matin. Mais vous vous promenez rarement avec un tournevis dans la poche, j'imagine. Non, mais j'ai des clés qui pourraient servir d'armes par destination aussi bien. Donc pour vous, un tournevis, c'est par hasard qu'il est là dans la poche. J'ai pas dit que c'était par hasard. J'ai pas dit que c'était par hasard. Je dis aussi que certains ont pu avoir peur, à la suite de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, qu'effectivement, il y ait une volonté de représailles, entre guillemets, et que certains aient pu penser qu'il fallait peut-être sortir, pas les poches vides. Donc c'était sans doute pour se défendre au cas où. C'est une hypothèse. Est-ce qu'il connaissait ses agresseurs ? Non. Non ? Non. Aucun des agresseurs qui étaient là n'était des connaissances directes de Youri ? Absolument. Est-ce qu'il sera bientôt entendu par la police ? Alors, il est partie civile et à ce titre, il peut être entendu par le magistrat instructeur. Je pense que son état ne permet pas, dans les quelques semaines qui viennent, une audition, parce qu'il est quand même, encore une fois, dans une phase de rééducation, avec une expression qui est quand même freinée, ralentie, mais je pense qu'il pourrait être entendu d'ici un mois, oui. D'ici un mois, pour vous, il sera en état d'être... Il sera en état d'être entendu,
Et encore une fois, je rappelle qu'il est victime, partie civile, et qu'à ce titre, les images parlent d'elles-mêmes. Pour vous, il n'est que victime, il ne pourrait pas y avoir d'enquête sur les rixes précédentes. Il peut y avoir une enquête sur la rixe précédente, et comme je l'ai dit, cette rixe précédente n'a pas l'intensité, la violence, le caractère délibéré de ce qui s'est passé le 15 janvier. Maître, depuis l'agression de Youri, 11 personnes ont été mises en examen pour tentative d'assassinat, comme vous le dites. 5 ont été écrouées. Pour vous, quelle doit être la suite ? Et la suite, c'est évidemment d'établir toutes les responsabilités. Il s'agit de mineurs. Quand on juge des gamins qui ont... C'est né en 2005, 2006... On ne les juge pas comme des adultes. Après, c'est notre capacité à faire en sorte que la double fonction de la peine pour les mineurs soit accomplie. Il y a une peine, évidemment, de dissuasion, de protection, et puis il y a aussi une peine de réinsertion. On est évidemment au-delà de l'avertissement, on est dans une tentative d'assassinat. Est-ce que notre pays est aujourd'hui équipé pour traiter les mineurs d'une façon satisfaisante, c'est-à-dire à la fois le volet éducatif et le volet répressif? Je n'en suis pas convaincu, parce que la justice manque cruellement de moyens. Merci, Maître Spinner, d'avoir choisi RMC pour vous exprimer ce matin, après avoir vu votre client, l'adolescent Youri, donc, qui a été passé à tabac, dont vous nous dites que ce matin, il commence à aller mieux et qu'il pourrait être entendu d'ici un mois. Merci à vous, 7h50 sur RMC.